Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce journal. Environ 15 personnes ont perdu la vie. Et il y a 8 autres qui sont arrivés disparaître. Il y a une affaire de 37 375 familles qui sont sinistrées actuellement là. Et il y a 13 390 qui sont déplacées. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 1219 cailles sont arrivées inondées. Alors ça, c'est bien sûr bilan partiel des dégâts la pluie qui sont arrivés tomber dans le pays d'Haïti. Jour qui était samedi 3 juin 2023. Directeur général Centre Opération Urgence Nationale, qui c'est bien sûr Jerry Chandler, a présenté bilan cela, côté que lui préciser chiffre sa yo concerné département l'Ouest, NIP, Sud-Est, Nord-Ouest avec Plateau Central. Nous capables dit c'est bien sûr département l'Ouest qui t'a plus touché selon ça que Jerry Chandler t'a fait comprendre. Mesdames, messieurs, dirigeants pays CARICOM yo a préparé là pour capable organiser dans pays Jamaïque date qui a 11 sala pour le 13 juin, yon rencontre dans mitan divers acteurs politiques, économiques et représentants société civile yo. Premier ministre Ariel Henry ensemble avec président au conseil transition qui c'est Mirland Maniga. Eh bien, il y a tout ancien député qui c'est Abel Descollines, qui c'est membre collectif ancien député, qui doutait très fort sous sommet CARICOM, côté que lui pas capable de porter fruit pour Haïti. D'une autre part, nous capable de dire à cause de tout secteur avec toute tendance pas invité dans le compte là, c'est la raison pour laquelle qui fait le tadion tel affaire, nous gagnons homme d'affaires haïtiano-chilien en tout, qui c'est Rudolf Jor qui t'a condamné pour lui passer tout reste la vie dans la prison. Et c'est juge fédéral, juge Martinez, qui prononçait sentence si là, dans le cadre d'une audience qui déroulait dans un tribunal dans Sud Floride. L'accusé comme moun qui t'a aidé, mais c'est ne yo jouen zam pour être capable de commettre crime sans pareil si là. Mesdames, messieurs, nous gagnons tout ancien premier ministre, Laurent Lamotte, qui t'a interdit là pour l'état rentrer dans le pays aux États-Unis. D'après ça que l'autorité américaine yo dit, Laurent Lamotte a détourné une affaire pour plus petit 60 millions de dollars vêt dans l'agent Petro-Caribéa pour le capable régler les affaires personnelles. Gagné divers commissariats dans Port-au-Prince qui t'a transformé actuellement là en centre de détention, côté que gagné un latrier monde que la police est arrivée arrêter et yo empilé monde ça yo comme si m'ta dit nous c'est ta sadine dans garde à vue yo. Selon sa que rapport réseau national qui a défendu droit monde RNDDH, j'en connais, yo t'a metté dehors là et rapport ça, gagné monde qui déjà condamné qui dans garde à vue, gagné tout qui dans de mauvaises situations en dedans garde à vue en là, donc condition yo pas en forme du tout. Mesdames, messieurs, c'est bien sûr grand point ça nous va gagner pour nous capable élaborer avec aujourd'hui en là. Nous après une courte pause et on sera de retour tout de suite après la pause. Et voilà, bonjour, bonsoir tout le monde. Vous êtes tous les bienvenus sur votre chaîne avec votre ami, bien sûr, Renette, qui est là pour vous informer sur votre chaîne Voix Peuple. J'en ai annoncé tout à l'heure. Nous gagnons responsable protection civile, qui c'est Jerry Chandler. Jerry Chandler, lui-même qui est arrivé présenter bilan partiel de dégâts qui est arrivé fait dans le jour que la pluie est arrivé tomber dans le pays d'Haïti, 12 juin, qui s'est passé là. 2 juin, bien sûr, d'après Jerry Chandler, il y a 15 personnes qui perdent la vie. Il y a 8 lots qui disparaissent, il y a 37 375 familles qui sont sinistrées et il y a 13 390 qui t'a déplacé, il y a 1219 cas qui inondés. Et bien, directeur général Centre Opération Urgence Nationale, lui précise que chiffre ça yo concerné que département l'Ouest, NIP, Sud-Est avec Nord-Ouest ainsi que Plateau Central. Et c'est département l'Ouest qui t'a plus touché d'après Jerry Chandler, qui lui-même annoncé tout que centre vraiment activé pour être capable de porter support à la population. Avec nous, Jerry Chandler, dans le micro. Bon, nous, ce n'est pas une formation pour ce que seulement, c'est une formation pour la vie. Jean Ouel, nous travaillons en pile avec l'école, nous travaillons en pile avec Timoun. On fait ça pour nous capables de prendre nos réflexes pour nous gagner, qui gestes pour nous faire, qui gens pour nous réagir par rapport à des désastres qui présentent dans la communauté ou bien la caille. Donc, l'activité ça est ciblée, non seulement
préparation par rapport à la saison cyclonique, mais préparation en général. Nous apprenons comment pour combattre du feu, nous apprenons comment pour gérer les gens qui blessés, nous apprenons comment pour faire brigandage. Donc nous apprenons des gestes de base. En façon pour l'autre, si nous avons une plus grande, nous sommes des champions de protection civile. Ils sont capables non seulement de faire pour eux-mêmes, faire avec famille, donc gérer les gens qui boivent la caillou, mais les gens qui autour de eux, ils sont capables de faire un support, de aide si la situation est présentée. Donc là, nous faisons Paris ça pour nous favoriser la préparation et faciliter que justement qu'on gagne plus de monde et plus de monde qui parle. Ciblage la fête sous l'école et sous toutes plusieurs écoles. Nous faisons sous l'école privée, nous faisons sous l'école congréganiste, nous faisons sous l'école publique. Okay? Nous travaillons surtout pour le moment avec élèves secondaires. Secondaires et surtout élèves qui parlent fini. En façon pour jeunes, nous sommes capables de commencer déjà à planter grenant dans une série de petits qui déjà parlent. Maintenant, nous allons aller à JICAD là et nous allons former des professeurs qui ont même à continuer à faire le même travail ça que nous avons fait. Travail pratique ça pour eux-mêmes être capables d'apprendre petit monde petit. Pas oublier que pour travailler petit monde petit, il demande qu'on gagne une pédagogie, une façon pour capable enseigner que nous pas forcément gagner. Donc c'est pour ça que nous travaillons avec des petit monde qui pire apte et qui pire paré à travers la méthodologie que nous gagnons. Mais bien c'est arriver faire pour tout petit monde dans tout niveau, arriver même dans niveau universitaire pour qu'il y ait un maximum de jeunes qui formés et qui connaissent ça pour faire dans la situation des enfants. Jusqu'à présent accueil la liste extraordinaire, nous petit monde très intéressé, petit monde joue cabouel là tout participer, yo content, yo remen li et là kounya là nous gagne des feedback côté que yo mandé nous pour nous retourner pour nous faire activité encore avec eux pour nous continuer. Même gens que nous faire activité pratique avec eux, nous gagne ça les cahier bon réflexe ça que nous ba yo. On cahier ordinaire pour le travail qui gagne toutes mes consignes avec toute action ça yo qu'on a fait avec eux en pratique là. Donc yo gagne toute partie théorique là. Donc ça intéresse yo remen et là kounya là bu nous c'est faire avec le plus de l'école que possible, pas seulement dans la capitale là mais tout dans la province là. Là, nous avons une centaine de l'école que nous allons viser sous péninsule sud là, ok? Et nous allons former des professeurs, je ne veux pas l'aider, nous faire travail là. Donc nous espérons que pendant vacances, on a qu'un d'été, on a qu'à continuer. Et pour l'année scolaire prochaine, on a qu'à faire un pile l'école et avancer dans la dynamique ça. C'est des activités qui existaient déjà. C'est des activités, ça les protections. Avant, littéralement, vendredi de la protection civile. Là, nous venons à la JICAD là et nous faisons la avec plus l'école et nous pas faire forcément vendredi seulement. Donc, son activité qui existait déjà, nous juste qu'on est là après les mettre dans l'autre vitesse. Dans notre niveau et n'a fait là en l'autre vitesse. N'a fait là avec un pile engouement, j'en dis, sous l'école. N'a pas essayé, j'en dis, d'aller à la fin, un maximum de l'école que nous impliquons pour nous gagner un maximum de petits mouns qui formés pour que justement, j'en dis, lors d'une catastrophe qui arrive, petits mouns eux-mêmes, tout, ils ont participé et ils ont protégé tête et protégé mouns qui sont autour d'eux. Et voilà, oui, dans l'autre bois, j'en suis tendu là, nous gagnons tout, plusieurs localités dans la commune, Thirivière, dans l'Artibonite, avec Liancourt, qui connaît deux moments très, très difficiles après premier la pluie salée qui est arrivée tombée hein, pour saison cyclonique 2023. Habitants, demandez avec autorité pour être capable de faire presser, pour être capable de faire un genre, pour faire route pour de la pluie, pour être capable de couler en façon pour être capable de limiter les deux dégâts. Nous avons des heures Vénès depuis Thirivière, l'Artibonite, pour beaucoup plus de détails. Saison cyclonique qui annoncée pour Anéa, pas pour tes bonnes nouvelles pour habitants Cap Vive dans Thirivière la Tibonite à commune Liancourt. Premier la pluie qui tombait pour saison 1, plusieurs localités inondées entre commune Thirivière la Tibonite à commune Liancourt. Habitants Cap Vive dans localité païen dans commune Liancourt mandé à responsable protection civile à la mairie pour penser à projet kirage canalio pour empêcher yal konnen plus moment difficile en bas cyclone qui annonce yo parce que premier la pluie la cause qui était dormi à la belle étoile parce que caillou était envahi en bas de l'eau. En l'autre bord, bandi base gangriff nan sa vien yo k'ap fè tentative pou yo délocaliser kite base yo après plusieurs attaques que yo subi par population civile dans cette commune nan département la Tibonite la ak coalition soldats paysans yo ki gen ti mépris nan tête li. Et bien bandi yo prend direction Sandville Thirivière la Tibonite côté y a fait en pile pression sous population civile ki nan zone nan pou pipiti 5 moun victimes en bas gros pression bandi base gangriff yo ki mande moun sa yo gros l'argent pou yo rete nan propre kay ke yo te construit ensemble 5 moun sa yo lagé nan gros difficulté côté y a couru pour quitter kayo pour cob yo mande moun yo fait population en fait quoi que yo poko jam faire face avec cob ça ti malheureuse k'ap badlo pour faire ben bandi yo mande yo 50 à 60 000 dollars à 30 000 dollars pour yo payer pour yo rete nan propre kay ke yo te construit. Population mande à responsable la police nan département pour prendre disposition pour permettre que la police retourne nan commune Thirivière la Tibonite ki yo te abandonné depuis 26 janvier 2023. Moi c'est Désir Venesse, Thirivière la Tibonite, c'était Crète à Pierrot. Exactement, saison cyclone
monde dans l'autre bois nous connaît qui commençait officiellement jeudi passé à la gueule cœur cassé dans mitan population en dedans cité indépendance là face avec irresponsabilité autorité concernée dans affaire nettoyer canal et bien qui ça il toujours servi avec comme route bien sûr pour de l'eau ta envahir ville là population qu'on y vient senti que yo à bout et bien mettez sous ça mairie a fonctionné au ralenti depuis quelques années côté que gagne employé qui vraiment a couru sous environ 35 mois que pas jambe touché et la trier nous gagne tout cyclone qui annoncé actuellement qui va gagne pour passer sur tout pays d'Haïti qui la gagne gros la peine dans mitan moun qui a vive dans région Balatibonite qui a fait face là actuellement avec une crise humanitaire avec insécurité toute qualité qui a taillé mandat dans département là et bien habitants yo mandé ensemble avec responsable MTPTC avec protection civile là pour yo capable agir avant que cyclone yo ta fait des gars. Nous gagnons désir venir encore une fois dans rivière Latibonite qui a banon beaucoup plus de détails sur situation vallée Latibonite après go la pluie qui t'a tombé sur tout pays d'Haïti pendant week-end qui s'est passé à la. M'a invité au tandis avec moi qu'on y a désir venir. Pour la pluie qui t'a tombé sur tout pays a pas épargné région Balatibonite là tant que commune Liancou, Tirivière ak Verrette plusieurs cailles étaient dans situation difficile de l'eau était envahi à cause kirage qui parfait dans drain ak canal secondaire yo population qui vivent dans ensemble localité yo mandé à responsable dans ministère travaux publics pour penser à situation yo et même au DVA qui au niveau Valéa pour permettre que canal yo kiré yo mandé à responsable dans protection civile yo pour agir pi bonne pour ka empêcher beaucoup plus moun pal victime dans situation que cyclone yo pral gagner pour yo causer dans jour qui a vini yo malgré la pluie a tombé situation moun yo a vin plus difficile et crise humanitaire yo pral augmenter en plus à cause phénomène insécurité a qui acheté département ak région Balatibonite pour l'agent ça pas empêché monsieur Basgangrif ak Tigrif yo continuer à faire exaction malgré moment cyclonique là. Samedi matin, bien bonnet, yo pointé sous tronçon route à Liancou Mibalea dans localité Morodoué, yo était déjà kidnappé plusieurs monde. C'est grâce à vigilance force résistance dans localité Chandel toujours dans commune Liancou qui était déplacé vinn faire résistance ak bandi Tigrif ak Gangrif yo qui la cause moun sa yo retourner la caillou et machine que bandi ba Tigrif ak Gangrif yo te gen tan prend récupérer. Population a posé question qui ça aurait fait pour joindre support la police qui abandonné ensemble des localités à communauté sa yo depuis plus passé 7 à 8 mois. Population en fait quoi, yo paré pour accompagner la police pour résoudre crise si la. Dans même journée, force résistance dans Chandel, commune Liancou, mette la patte sous Olvens alias Zoreille qui c'est un chauffeur camion qui assure transport Port-au-Prince, Latibonite, ak Elias Pignas à Latibonite, monsieur yo croisé à travers machine nan, trois boîtes qui te gagné en bon quantité cartouches. C'est long, membre coalition yo, c'est plus passé 3000 cartouches. Olvens alias Zoreille tapoté pour général Lixon qui c'est chef gang Savien. Population en fait quoi si cartouche gen chance pour sortir Port-au-Prince et gen temps rentrer la Tibonite c'est pratiquement complot qui a continué qui ça qui empêcher la police fait checkpoint son ensemble machine cap quitter capitale là pour rentrer dans la Tibonite pendant yo connaît bandi bas gangrifio gagne population qui en face yo et en faiblesse munition y a pas arrangé tout gens pour faire munition vienne joindre yo population en fait quoi yo pas dormi y a continué goumen dans tout niveau pour empêcher balle rentrer dans commune Tirivière la Tibonite à Liancou et Verrette pour grand griffe suspend prend force pour terroriser population hein. Moi c'est Désir Venesse Tirivière la Tibonite c'était Crète à Pierrot pour TAC 509 toujours même dossier la pluie qui t'a tombé dans département Niplan qui t'a la cause que gagne 280 cailles 93 cailles bien sûr qui t'est arrivé inondé sans compter jade qui dévasté ensemble avec tronçon route qui t'a endommagé dans plusieurs zones dans commune et bien c'est responsable protection civile Niplan Fédéral Nicolas qui lui-même t'a confirmé information ça yo en Claude Clercien depuis Miragouane dans micro nous pour plus de détails responsable dans protection civile NIP fait connait go la pluie cap tomber sous département NIP pendant week-end là la cause 293 cas inondé sans compter jardin qui dévasté avec plusieurs tronçons route qui endommagé dans plusieurs zones dans commune nan Tankou Karinay vieux route des ruisseaux Bekin Kadiak Acti Savane pour citer ça seulement coordonnateur bureau protection civile Niplan Fidèle Nicolas qui t'a présenté bilan dégâts de la pluie fait dans différentes zones dans commune là mandé à population pour y rester vigilant pendant y a suivre toute consigne météorologique
nan souci pou pa gen personne moun continue victime nan moment tempérieux. Même les coordonnateurs à reconnaître saison cyclone nan fait commencer, ça pa empêché mande population rete veyatif. Yon l'autre côté, magistrat Miragwan nan Anne Myriam Loiseau qui tal visite zone ki gen moun victime yo fait connait situation compliquée en pile pour moun nan vieux route de Risso, Bekin ak Karenay par rapport à gros dégâts de l'eau la pifè nan zone si la yo. Nan sens sa magistrat mande moun ki victime yo prend patience parce que mairie a pral travail pour yo wè comment yo capable vinn de yo. Même les magistrats reconnaître mairie a pa gen moyen nan moment qui pour répondre ak exigence yo. C'est une occasion pour moun ki victime yo mande ak la mairie pour faire travail nan canal la pou yo. Selon victime yo, c'est seul moyen kap permet yo rale yon souf ak glosi la. Depuis métropole Nip Miragwan, Henri Claude Clessin, TAC 509. Et oui, nous gen nan lot bois porte l'école avec entreprise yo nan source matla qui toujours était fermé. Plus passé yon mois après attaque neg exam nan zone si la, qui était la cause la mort yon centaine de moun d'après chiffre organisation droit moun yo qui était rivé publié, yo publié que situation sa yo gen de gros impact sous centre ville cabaret ensemble avec sous activité commerciale yo nan arrondissement Arcayer. Pascal Fleuristil a gen chance ba nou plus de détails depuis Arcayer. Gwo la pli kap tombe sou Arcayer depi vendredi swa. La koz plizyèz seksyon kominal inonde epi pote ale bèt peyizan yo dapre responsab proteksyon sivil yo. Rivye Koujol, Rivye Mate ak Ravinyo deja ankri, sa ki provoke anpil moun domi yon je ferme, yon je louvri. Nan situasyon difisil la, responsab proteksyon sivil yo lanse yon SOS bay Minister l'Agrikilti ak Travou Piblik pou voye materyel pou ki ri ravine ak rivye yo epi kolmati brech yo de kwa pou pita papitris pou responsab proteksyon sivil yo sezon siklonik lan riske mete klou sou malek da komin nan ki deja a fè fas ak plize lot difikilte ak plis pase 4000 moun neg aksam fè kouri kite kayo nan sousmat la gemezi anijans ki dwe pran pou komanse pare kek kabri provizwa pou resevwa eventuel moun ka viktim yo epi ankouraje moun yo kite zon a risk yo yon fason pou evite plis viktim pandan sezon siklonik lan. Depi arrondisman Arcayer, Pascal Fleuristil, TAC 509. Eh oui, mesdames, messieurs, direction protection civile qui lui-même t'a mené en série de informations dans diverses. L'école n'a pas au prince, il a besoin de faire formation dans l'idée pour être capable de connaître qui gens sont capables de réagir lorsque il y a des catastrophes naturelles et pour être capable d'aider la communauté à évaluer. Et yo vle aider communauté que yo a évolué en formation. Ça, c'est une formation qui concerne élèves secondaires, ni l'école publique, ni l'école privée concernée, d'après sa que responsable civil, qui c'est Jerry Chandler, lui-même, lui entend élargir cadre ça tout, côté que yo prévoit former enseignants et tout, pour être capable de transmettre information à d'autres élèves. Namikon, encore une fois, Jerry Chandler. Bon, nous, c'est pas une formation pour ce scolaire seulement, c'est une formation pour la vie. Jean Wellan, nous travaillons en pile avec l'école, nous travaillons en pile avec Timoun, en façon pour nous capables de prendre nos réflexes pour gagner, qui gestes pour faire, qui gens pour réagir par rapport à des désastres qui présentent dans la communauté ou bien la caille. Donc, l'activité, ça a ciblé non seulement préparation par rapport à ces scolaires, mais préparation en général. Nous apprenons comment pour combattre du feu, nous apprenons comment pour gérer les gens qui sont blessés, nous apprenons comment pour faire brigandage. Donc, on apprend des gestes de base. En façon pour l'autre, si les gens sont plus grands, ils sont tous des champions de protection civile. Ils sont capables non seulement de faire pour eux-mêmes, faire avec la famille, donc gérer les gens qui sont la caillou, mais les gens qui sont autour de eux, ils sont capables de faire un support, de faire une aide si la situation est présente. Donc là, nous faisons pari ça pour nous favoriser la préparation et faciliter que justement qu'on gagne plus de monde. Et puis Simon qui parle. Ciblage la fête sous l'école et sous toutes plusieurs écoles. Nous faisons sur l'école privée, nous faisons sur l'école congréganiste, nous faisons sur l'école publique. Okay? Nous travaillons surtout pour le moment avec élèves secondaires. Secondaires et surtout élèves qui parlent fini. En façon pour Jean Doulan, nous avons commencé déjà à planter graines dans une série de Simon qui déjà parlent. Maintenant, nous allons aller à JICAD là et nous allons former des professeurs qui ont même à continuer à faire le même travail ça que nous faisons. Travail pratique ça pour eux même capable apprendre petit monde petit. Pas oublier que pour travailler petit monde petit, il demande qu'on gagne en pédagogie, en façon pour capable enseigner que nous pas forcément gagner. Donc c'est pour ça que nous travaillons avec des petits monde qui
apte et qui peut parler à travers la mythologie que nous gagnons. Mais bien, c'est arrivé faire pour tout le monde, dans tout niveau, arrivé même dans le niveau universitaire, pour qu'il y ait un maximum de jeunes qui formés et qui connaissent ça pour faire dans la situation des âges. Jusqu'à présent, accueil la liste extraordinaire. Nous sommes très intéressés. Si nous jouons à Kabouel, tout participer, nous sommes contents, nous sommes remis. Et là, nous avons des feedbacks côté que nous demandons pour nous retourner, pour nous faire activité encore avec eux, pour nous continuer. Même gens qui nous fait activité pratique avec eux, nous avons des cahiers, bons réflexes que nous avons. On cahier ordinaire pour le travail qui gagne toutes mes consignes avec toute action que nous avons avec eux en pratique. Là. Donc, il y a toute partie théorique. Là. Donc, si ça intéresse, nous remis. Et là, nous avons nous c'est faire avec le plus de l'école que possible, pas seulement dans la capitale, là, mais tout dans la province. Là, nous avons une centaine de l'école que nous allons viser sous péninsule sud là, ok? Et nous allons former des professeurs, je ne veux pas l'aider, nous faire travail là. Donc nous espérons que pendant vacances, on a qu'un d'été, on a qu'à continuer. Et pour l'année scolaire prochaine, on a qu'à faire un pilote l'école et avancer dans la dynamique. Ça. C'est des activités qui existent déjà. C'est activités, ça les protections. Avant, littéralement, vendredi de la protection civile. Là, nous venons à la JICAD là et nous faisons la avec plus l'école et nous ne faisons pas forcément vendredi seulement. Donc, son activité qui existait déjà, nous juste qu'on est là après les mettre dans l'autre niveau et nous faisons là en l'autre vitesse. Nous faisons avec un pile engouement, j'en dis, sous l'école. Nous avons essayé, j'en dis, d'aller au maximum de l'école que nous impliquons pour nous gagner un maximum de timoun qui formés pour que justement, j'en dis, lors d'une catastrophe qui arrive, timoun yo même tout, yo ka participer et yo ka protéger tête yo et protéger moun qui autour de yo. Eh oui, c'est toujours comme ça information yo a déroulé dans pays d'Haïti homme d'affaires haïtiano chilien Rudolf Jor qui lui-même t'a condamné pour lui passer toute 13 villes dans prison bien sûr c'est juge fédéral José Martinez qui t'a prononcé sentence si là dans cadre yon audience qui t'est déroulé dans un tribunal dans sud de Florida li accusé comme moun qui t'a aidé mercenaires yo joine zam pour être capable commettre crime sans pareil ça. Nous gagnons tout ancien premier ministre qui c'est Laurent Lamothe qui t'a interdit là pour lui rentrer aux États-Unis. D'après ça que autorité américaine yo t'a fait connait là Laurent Lamothe détourné pour bibiti 60 millions de dollars vet dans l'agent Petro-Caribéa pour capable régler les affaires personnelles li. Autorité américaine fait quoi que Lamothe t'a contribué dans instabilité pays d'Haïti ap connait journée jeudi là. Donc c'est comme ça information a déroulé nous voulons faire connaître tout dirigeant collectif ancien député qui exprimait la réserve yo sous déroulement rencontre CARICOM dans pays Jamaïque sorti 11 pour 13 juin qui va gagner pour venir là et bien Abel Décolline doutait fort que rencontre ça va porter résultat à cause de toute tendance qui vraiment pas capable représenter dans un rapport que Marie Rosy rivait mettre dehors là sur réseau social yo nous connaît RNDDH réseau national qui a défendre droit moun yo mette yon coquin chaîne rapport dehors côté que rivait attirer attention bien sûr autorité judiciaire yo situation diverses commissariat dans Port-au-Prince qui vraiment transformé en centre de détention. Il y a un latrier monde que la police est arrivée à arrêter. Côté que monde ça a empilé, ta comme ta douce sardine dans garde à vue. Et puis espace garde à vue, petit empilé et en mauvais état. Selon ça que Marie-Rose Auguste du Sénat fait connaître et lui demande la justice en soi. Pour responsabilité, on a dossier ça. Nous avons tout plusieurs centaines de citoyens qui vivent foulé béton dans la commune Montru. Week-end patient et objectif mouvement ça, c'est pour demander la justice avec la police dans ses marques. Libéré Jean Julio et nous voulons rappeler pour que police dans Saint-Marc qui c'est police dans Saint-Marc t'est arrêté bien sûr pour présumer implication li dans la mort M. André Charleus Daniel depuis Saint-Marc pour aller nous plus de détails sur fait ça. Yo, c'était plusieurs centaines de citoyens dans diverses zones de la commune Montoui, délégué Pierre Payen, qui manifestaient dans l'idée pour demander autorité la justice, libérer Jean Julio. N'a pas rappelé la police dans le niveau Saint-Marc t'est arrêté pour présumer assassin dans la mort de M. André Chaléus. Dans l'occasion, divers citoyens qui prennent la parole, sitôt organisation Femmes Vaillant pour développement commune Montoui déclaré Jean Julio sans notable, pas impliqué dans la mort de M. André Chaléus. Nous demandons justice pour le Junior, nous demandons libération pour le Junior, délégué par qui nous ne pouvons pas chambre. C'est ça nous demandons. Justice nous demandons pour le Junior. Donc, pas quoi, Julio, dans la question de tout le monde? Non. Julio ne peut pas chambre parce que nous ne pouvons pas chambre. Nous ne pouvons pas chambre. Justice pour le Junior. Justice pour le Junior. Justice pour le Junior. C'est ça nous demandons. Nous allons aller pour nous, nous allons nous coûter mon chèque. Et puis là, tout est bien, nous devons être contents, nous devons être contents.
L'autre côté, magistrat commune Montouillac était présent pendant tout parcours manifestation, hein, mandé autorité la justice yo pressé libération Jean-Julio. Julio, c'est un monsieur moi levé ici, moi joindre ces chapeaux dans la fait. C'est dans médecine la travail moun et santé. Julio pas mandi, il pas mandi, elle pas jamais mandi. Moi connais là la police arrête un monde. Et mais on avait moi, là la police arrête un monde, il 50% coupable, 50% innocent. Ça Julio innocent. Ça Julio Attendez. Puisque qu'on enquête cap vienne mener. Enquête cap vienne mener c'est avec population. C'est pour population. Qui sa population dit Julio innocent. Qui sa population dit Julio Non, mais la justice, c'est ma prenant. Parce que la travail pour population contre qui est-ce qui m'a dit. Julio, son monde qui est malade. Qui est malade dans le pied, il n'y a pas qu'à prendre chalet à la prison. Nous devons souligner, pendant tout parcours, sorti commune Montoui Rive Pierre Payen, c'était pendant 4 ans, mai, Mayo, côté divers citoyens, dans la zone Sayo, t'as demandé libération. Jean-Julio, Daniel Semak, TAC 509. Nous avons un coordonnateur général organisation sociopolitique Rêve des Salines qui est Sénat André Dufort qui lui-même plaidé en faveur bon genre coopération entre pays d'Haïti et la Russie. Puis loin dirigeant structure politique ça, il dénoncé que pays États-Unis qui est complice dans situation difficile que pays a fait face dernier temps ça là. Il m'a dit avec population pour capable prendre responsabilité yo sous tout ça qui t'a plongé pays la crise sans pareil ça. De notre part, nous avons un coordonnateur général Humoa qui dénonçait comportement irresponsable et insouciant que ministre éducation nationale qui s'est Nesmi Maniga dans dossier grève enseignant yo qui pral sous 8e semaine. Malheureusement, d'après syndicaliste là, c'est pour la première fois dans l'histoire que enseignant rive fait tout temps ça yo en grève et autorité concernée yo pas mandé concerné yo qui ça yo pote pour vendre. Et bien dans ce sens là, professeur Josué Mérilien qui lui même pas entendre faire bac dans mouvement grève enseignant yo, li exige démission gouvernement particulier qui c'est Nesmi Maniga. Et bien Josué Mérilien t'ai une chance converser dans micro. Là, dit que c'est pour la première fois dans l'histoire du mouvement de mobilisation grève en Haïti, enseignant, nous venons face à un ministre qui est aussi irresponsable, aussi insouciant, aussi incapable et aussi cynique d'un groupe Maniga, qui est tout bientôt en dedans un gouvernement un gouvernement corrompu, qui a fait corps dans libre. La corruption et qui, au lieu d'utiliser comme là pour les problèmes d'éducation, santé, problèmes de la police, etc., ils ont préféré acheter des armes pour bandits, gens en pile et des témoignages et fait connaître. Donc, si pour la première fois, nous en face un tel situation, côté du jeune monde qui est en tête d'État, qui est aussi irresponsable, aussi insouciant, aussi d'adit qui veut dire qu'ils n'ont pas la place. Deuxième problème, et n'a fait, nous avons plus de 25 ans, en tant qu'on commet ça. C'est pour la première fois tout, on grève enseignant, il va se 3-4 semaines. Il va se faire 3 semaines. Par exemple, en 1995, sur Aristide, un gros mouvement de mobilisation enseignant, depuis toutes 3 semaines, c'était Chita avec tout syndicat, tout gouvernement, et la tête qui les joigne, comme ça qui a été fait. En 1995, c'est bien là. Et même, n'est-ce pas ça, sous gouvernement PHTK, prévention, hein, t'es gagné une mobilisation, monsieur, pas pour qu'on parle de visage. J'ai pas être là comme inconscient, insouciant, irresponsable, cynique. T'es gagné un truc qui est jeune et qui n'a pas dit que 3 semaines. Juste aujourd'hui, hein, nous sous 7e semaine, donc à boucler, on va débattre avec 8e semaine, hein, avec un ministre qui montrait que libre à la place li, et que par conséquent, le choix que m'a dit c'est de donc il y a une plus grosse revendication d'Adi Projogène de dire c'est démission immédiate. Mais si Maniga a fait la démission, l'autre a quitté politique et l'autre
bandits à col qui vont payer un otage, qui va que je vous dis, nous là, pour que nous là. Et troisième dernier affaire, c'est que dans tout ça qu'on a fait comme mobilisation, toujours gagner la possibilité pour que l'État joue une façon pour débloquer la situation à l'amiable dans la négociation. Et ça fait déjà dans l'histoire pour mon enseignant. Nous remarquons que, avec le gouvernement PHTK, les deux aussi là, qui c'est, d'ailleurs, pi criminel dans le gouvernement PHTK passé, tout ce qui est criminel, oui, mais ça, les mariol, la question d'irresponsabilité et substance, la question, d'ailleurs, le gouvernement, il est sous fait crime. Et j'ai cherché à vous résoudre rien. Donc, nous-mêmes, professeurs, élèves, parents, nous avons décidé de faire bac. Parce que nous avons décidé d'aller couper, d'aller devant des soucis. Nous avons trouvé ça, nous avons serré les rangs et nous avons rentré dans le budget de mobilisation côté Valguéen, le troisième gros mouvement de mobilisation souterrain, qui va faire ça dans le Port-au-Prince, et puis dans plusieurs autres villes dans le département. Et Nabdi, et y a, en plus des revendications, il y a un départ sans condition et immédiat de Simaniga, il y a deux enquêtes qui doivent faire rapidement pour que le peuple connaît comme qui a l'éducation passée, connaît comme les gagotés là passés, et pour se mettre sur les routes, mais comme tout le monde à col. À faire et défaire une population de situation terrible. On a fini sous question et mobilisation. Sous question mobilisation, on a fini sous question et enquête là qui est comme la sous lui pour dire que enquête ça, on a pris toute disposition pour que les fêtes et le peuple là au courant de ça qui sont là-dedans. Pour exemple, tracé, pour les collègues, les ministres. Il va la une gargote comme il a pour lui problème. Pour l'équipe gouvernementale, la connaît que leur ministre, leur équipe gouvernementale, là pour réfléchir sur le problème, une solution. Nous ne pouvons pas faire comme for love, faire des crimes, là pour une réponse. Et nous ne pouvons pas répondre à la voir là, d'un coup, et pour que d'un coup, il n'y a pas de justice, on y a quelqu'un qui fait. Mais ça nous dit tout le général, mobiliser, pour côté une autre, pour un, nous jouer un résultat. En dans le mouvement ça. Et deux, nous mettons code dans le coup de tout bandit à col qui maintenant prend l'État en otage et qui met le peuple à salir là. Au seul, la dimot d'ordre, pour notre mobilisation et mobilisation, il a dit un rang serré pour nous arriver rapidement pour les résultats et mettre que l'école reprenne et que tout examen soit reculé et élève qui a des minimum pour qu'il y ait composé. Donc ça a demandé que dans tout un rapide, que Guéyen a dit et dit ce qu'il fait pour qu'elle a entendu les gars lever. Mais sans ça, comme les Spaniards ont été incapables, ils m'ont dit que le gouvernement débrouille, mettez des spécialistes à l'intérieur, attendez eux-mêmes, ils ont battu derrière pour qu'on entende et qu'elle a levé. Et oui, coordonnateur général UMO, hein, Josué Mérilien, il dénonce Nesmi Maniga, ministre, qui a bien la corruption dans le ministère de l'Éducation nationale. Eh bien, syndicaliste là, dit qu'on que lui chargé avec indice qui prouvait que le premier ministre bien sûr, lui impliqué dans la corruption. Dans ce sens-là, lui demande ULCC fait audit sous gestion ministre éducation qui sinise. Mais Maniga, vous parlez de ce sens-là encore une fois, Josué Mérilien à micro. Directeur général, ULCC a commandé, suivant mission à mandat, pour faire une enquête sous gestion suspecte gouvernement en général. Et les Maniga en particulier. Et là, ça nous dit que nous gagnons des indices qui montraient que il y a corruption qui a fait le gouvernement complètement, mais dans le ministère en particulier. Et il y a quatre points qui pistent que nous baillons. Le premier piste, c'est le dossier Manuel Scolaire unique. Côté son bel projet que M. Galvaudé et que je dis, on voit que ça va faire tourner. Donc, comme ça, millions ça a quitté. Et alloué à question pour ça, il n'y a pas abouti. Il faut
des enquêtes pénales sur lui pour comme ça, comme il est, et qui bouge comme ça avant. Et pour que ça, comme ça, pas servi, j'ai envie de servir le système éducatif là. Deux, nous gagnons dossier au terme de ROCOM, en termes de primes, en se réutilisant, et que nous voyons, et ILCC, Alna, prime qui baille en septembre 2022, là, côté. Il y a 300 000, il y a 400 000, sinon ça vous dit comme information, sur les 10 amis qui méritaient que la quête faite, vous gardez tout ça qui est la irrégularité et pour la sanction qui veut sanctionner dans le cadre de ça. Et en dernière position, nous avons de ces coûts de rattrapage, qui va être des coûts de compensation, apprentissage, c'est un dossier justement pour justifier comme qui est mis l'esprit, qui a gardé. Qui a fait corruption et que la paye par mon cash, mais grave, nous demandons que l'ILCC, c'est Yon dans l'institution qui l'a fait enquête, qui ont dit que depuis où il y a une suspicion de corruption, c'est vers 56-56, il y a bien preuve de double vine enquêtée, nous demandons une enquête sur lui. Donc ça, c'est que nous avons un pays côté corruption la règle, donc même l'éducation, nous prenons responsabilité nous, citoyens nous. Pour demander qu'il y a quelque fête, mais comme du coup, tout le monde, encore c'est pas l'esprit, vous avez dans l'autre projet qui mêle dans Magouille, qui a fait là, pour des copes d'éducation, absolument pour l'autre bagaille, vous avez pour l'éducation. C'est pour ça, et on a pris toute disposition, on a demandé une rencontre, dans ce semaine-là, avec le directeur général là, pour nous connaître, dans qui prend le dossier, comment ça a avancé, il a suivi pas à pas. Montant de compensation, combien il y a? Il varie. Il y a 300 000, 200 000, 400 000, tout n'est pas gagné, plus tout. Tout n'est pas des niveaux de la avec l'esprit. Qui l'a adressé correspondance à monsieur? Il datait le 1er juin. C'est une lettre ouverte. Et ça, c'est avec l'exception. Ouais, avec l'exception. Et dans ce sens, c'est que dans mobilisation, le troisième jour de mobilisation, le 7 juin, il y a deux autres revendications qui viennent ajouter à la revendication. C'est démission immédiate de Slimane Niga. Mais attendant que reste Bandi Akolio, démissionner tout, il y a détruqué le peuple là. Deuxième année là, c'est en quelque sorte qui veut aboutir pour que ça connaît comme qui dépassé, mais qui a dépassé. Et on le bagage qui va ajouter, c'est question comme qui voulait le 17, 18 millions. Que la banque de tout pour qu'elle fait tout vous connaissez, est-ce que ce sont 12 000, 50 000, 10 000 qui étaient boulés pour que vous retracez comme ça et jouer le monde qui boule et mettre code de code. Nous, c'est la mobilisation pour professeurs, jeunes le minimum, élèves le minimum pour qu'on fasse dans notre condition. Et José Berlier, c'est une personne organisée. Il y a une équipe Pino, il y a une équipe Comit, il y a une équipe Montana. Ça dit que, avant, nous n'avons pas de loi voyage qui est nous. Et avant, pour nous poser sur lui, nous avons une chita dans le week-end avec l'équipe au niveau du nom, au niveau de COVID, au niveau de Montana, pour nous déterminer, pour nous jouer un, qui agenda rencontre là, deux, qui est derrière la question ça, trois, est-ce que ce n'est pas fait effectivement pour mettre que les solutions pour côté, puis est-ce que ce sont les rencontres parmi toutes les rencontres qui fait déjà pour perdre du temps, et dans les cas où nous avons trouvé ce rencontre perdre du temps, même. L'équipe nous a décidé que nous sommes présents. Enfin, nous décidé présent ou pas présent, la chute à l'équipe nous pour analyser la situation, pour voir est-ce que c'est une perte de temps. Même si nous avons écrit, nous avons fait, nous avons perdu, à faire pour rien. Donc, nous avons pour analyser la situation, si ça vaut la peine, nous avons gagné pour nous, si c'est une chute. Mais dans notre réflexion, eh oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons un président syndicat, employeur, ministère de l'Éducation nationale, Gary Lapierre, qui dénonce avec toute force le choix Marie Daniel pour aller représenter le secteur éducatif dans le KEP. Syndicaliste là, fait connaître que les gagnants plus passé 20 années dans le secteur éducatif. Là. Pourtant, c'est dans la presse qui a des nouvelles. Là. Gary Lapierre fait connaître que li pas normal pour un petit groupe moun ta chita nan petit coin yo a choisi moun ki pou al représenter yo al représenter secteur là alors que gen yon organisation ki la depuis dik d'antan nan secteur là ki vraiment pas consulté côté que Gary Lapierre te nan micro nou m va invite ou tande ak moi konnen Gary Lapierre. Je pense que c'est important et les matin
information ça concernant des questions et secteur syndical là quasi et concernant des Marie Daniel pour représenter nous dans au BCP place là et moi c'est la dans la presse tout entendre nous et me pense que par rapport avec Jean-Nègre qui fonctionne en Haïti et c'est des groupes nègres mais des groupes qui mettent tête ensemble nous sortons bagaille au 10 secteur. Parce que je pense que si le secteur a fait un bagage, au moins la font un bagage large, la consulter ensemble des gens qui sont dans le secteur. Moi personnellement, j'aime tout là, c'est dans la presse qui me donne, je ne vais pas consulter, en plus le monde ne va pas consulter. Et nous-mêmes, nous avons pu participer dans le choix et les gens qui vont aller dans le conseil électoral provisoire. Et moi, je pense que c'est une aberration et dénoncer ça. Et je pense que si un bagage comme ça fait, je pense que le secteur, même si tout le monde n'a pas besoin d'unanimité sur toutes les. Et question dans le pays, je pense qu'il y a des gens qui ont des organisations qui représentatives dans le secteur. Je pense que c'est pour les consulter. Au lieu que c'est des grands gens qui sont dans le coin qui disent que les gens ne peuvent pas représenter. Connaître les citoyens là. Jamais, je ne vais pas connaître. C'est dans la presse qui me donne des noms, je ne vais pas connaître. Par contre, c'est syndicalisé. Mais il y a des syndicalisés. Bon, nous même nous dans le syndicat d'éducation, nous avons une plateforme qui est vraiment large. Et je pense qu'au niveau de la plateforme, nous avons des consultations qui sont faites avec un paquet de syndicats, un paquet d'autres organisations qui sont dans le secteur et ont choisi Mme Rachel Lucin qui est moi-même de participer dans le choix. Il y a un CTSP, un paquet d'autres organisations qui sont dans le secteur qui ont participé dans le choix et moi-même de participer là-dedans. Ça, mon grand économe, il y a un groupe qui dit qu'il y a un choix sur l'autre monde. Parce que même si il n'y a pas d'unanimité, tout le monde n'est pas capable de mettre d'accord sur un seul point dans le secteur, même parce qu'au moins il faut un minimum. Qui est l'organisation de représentatif, au moins des critères supposés consulter. Et si chaque grand monde doit avoir un grand monde, chaque monde a un grand monde, nous ne pensons pas que c'est une bonne décision. Au moins qu'il a constaté, les gens nous font consultation, un paquet de syndicats réunis, nous choisissons un monde. Ça veut dire ça, qui est représentatif. C'est pas un grand monde, un grand 5 qui est choisi, nous ne sommes pas un monde, nous choisissons un monde dans le secteur. Moi personnellement, j'ai milité, 20 ans, j'ai milité dans le secteur, je ne sais je pense qu'ils sont aberrationnels et nous dénoncer par ça et nous pensons que si mon bagage sérieux qu'a fait tout, il faut que tu nous comptes et ensemble des gens qui dans ce cas-là et un bagage qui est représentatif et un monde tout qui au-dessus de toute situation. Nous pensons que nous avons besoin de monde qui prennent lancer CP, qui prennent le gouvernement, qui prennent faire et représenter le pays dans la situation du pays à décrire là pour que nous lançons un monde qui est représentatif. Et bon, c'est ça. Et oui, je suis en de laisser consacrer l'Université américaine Sciences Modernes d'Haïti, UNASMO, qui est arrivé organiser 19e édition week-end certifié. À Dessila, il est sorti 1er pour arriver 3 juin 2023 dans la capitale haïtienne. Côté que l'institution ça a organisé chaque année pour être capable de mettre en valeur et puis présenter avec grand public l'enseignement avec compétences étudiants UNASMO qui est capable de contribuer dans le développement pays. Et voilà. Pour nous finir, nous avons fait connaître que étudiants faculté ethnologie ensemble avec IRA, ils ont organisé là une exposition. Exposition ça, ils ont fait seulement dans la faculté ethnologie. Côté que exposition ça, il était déroulé sous terme seul si on en parle. Seul si on a Paul. Donc, mesdames, messieurs, il était déroulé dans l'idée pour être capable de montrer l'importance seul grain dans la vie et puis dans la culture haïtienne. Doyen faculté IRA, Sterling Ulysse, il était encouragé gouvernement pour être capable d'investir beaucoup plus dans la recherche en d'un pays qui, d'après lui-même, est capable d'aider dans l'économie haïtienne. L'idée, c'est présenter celle, justement, ça va nous présenter culturellement et qui information que nous avons joindre sous celle-là, cap utile, mais toute exagération, tout pour nous éviter et pour nous exposer celle-là, non seulement côté, service d'écran quotidien, mais comment nous avons présenté le tout de manière esthétique, dans le cadre d'une exposition, parce que exposition ça, c'est dans le cadre d'un cours créé les muséologies et scénographies que le professeur Féon Mozart, dispensé avec étudiants troisième année d'ethnologie avec troisième année IRAISES, d'accord. Donc c'est dans le cadre de ça pour l'exposition ça réalisée. Voilà, pour permettre étudiants yo connaît qui utilité cela dans le quotidien, qui ça le café avec, ça ne pas café avec, mais tout côté nous avons exposé tout de manière esthétique pour justement public là justement dit, contempler. Quand on n'est pas qui œuvre d'art, quand on n'est pas qui œuvre, présentation. Parce que celle-là, pratiquement,
conservation, gagner dans culture nous dit nous chasser zombies, nous chasser comment mauvais avec bah comme ça enfin tu me songe j'aime depuis qu'on gros papillon rentré, yo voyez celle derrière, yo voyez celle derrière ou gaou. Donc ça c'est des bagages culturels, on prend qui est important, mais celle là tout une autre utilité qui est plus pratique, les gars, qui entre dans la vie quotidienne que nous car justement jeune là. Bon moi je pense que nous pouvons jambe bay recherche place li parce que en pile source dans pile bagaille nous perdu nous gaspiller en fait parce que l'État pas investi dans recherche. D'accord, donc si nous investissons dans recherche nous car connaît matière première qui ça pour nous faire avec eux qui j'en priorité qui pour opportunité que nous cabay payant jeune et puis faut non seulement c'est un bagage important pour des papiers mais pour permettre talent de rester en Haïti parce que trop moun a diplôme, trop moun qui gen talent qui des payant parce que pas gen opportunité alors que tout bagage yo là étranger vinn vinn prendre vétiver yo vinn prendre sel vinn prendre tout ça qui existait comme minerai comme matière première et à développer la canne parce que nous mêmes nous ca investir dans la recherche justement pour opportuniser ça au pour nous convertir et puis nous ca faire des bagages qui permettent pays à développer, permettent jeunes à rester dans le pays. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est là tout. Nous avons mis un bout dans le journal pour aujourd'hui. C'était bien avec vous, votre ami Ronette Thomas, qui t'a donné quoi pour servir. Merci à vous-même qui t'a gagné chance de regarder et attendez. Je vous dis déjà au revoir. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.